Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'heure où vous allez regarder vidéo ça, étendez audio ça. Non, PAM, c'est Fabi Merci. Moi, c'est professeur sciences sociales. Vidéo ça, a gagné rapport avec cours Histoire nationale, programme NS4. Nous connaissons que programme NS4 là, il a gagné 7 chapitres. 7 bons chapitres Histoire nationale là. Mais nous connaissons 5 chapitres clé là-dedans. Mais avant, nous devons faire un petit rappel sous occupation américaine de 1915 à 1934. Nous avons pour nous cause occupation américaine, nous avons pour nous conséquences tout, et nous avons pour nous les opposants de l'occupation américaine, les différents opposants, les différentes formes de mécontentement contre l'occupation américaine, et nous avons pour nous les différents présidents pendant l'occupation américaine de 1915 à 1934. Et nous avons pour nous tout programme NS4, là, gouvernement de 1930 à 1990. Donc, ces programmes, ça, nous avons pour nous dans l'histoire nationale. Là. Premier gouvernement que nous devons ouais pendant période ça yo et pour programme NS4 Histoire nationale, c'est le gouvernement de Stenio Vincent. Le gouvernement de Stenio Vincent, l'été là de 18 novembre 1930 au 15 mai 1941. C'est le premier gouvernement que nous devons ouais pour programme NS4. Gouvernement de Stenio Vincent, qui ça nous doit là-dedans? Nous devons gouvernement qui l'a été prendre naissance et comment l'a été prendre naissance et qui raison qui fait que Stenio Vincent a pris pouvoir, sous qui chapeau a pris pouvoir. Nous devons les grandes réalisations de Stenio Vincent, la politique extérieure pendant sa gouvernance et surtout sa politique extérieure par rapport aux Dominicains, ou après les massacres des Haïtiens en République Dominicaine. Nous avons voir les objectifs principaux du gouvernement de Stenio Vincent, la nature du régime de ce gouvernement. Par exemple, est-ce que c'est un gouvernement dictatorial ou bien c'est un gouvernement démocrate? Donc, c'est ça, nous avons voir. Deuxième gouvernement, chers amis, que nous avons voir, c'est le gouvernement d'Elinesco. Donc, nous connaissons que Elinesco, c'est lui-même qui t'a succédé Stenio Vincent. Du 15 mai 1941 au 11 janvier 1946. Ça, c'est le gouvernement, et, chers amis, d'Elinesco. Maintenant, qui ça nous doit ouais en tant que gouvernement Elinesco? Nous avons pour nous un gouvernement Elinesco, politique extérieure du gouvernement de Elinesco, la nature du régime politique de Elinesco, ça nous doit ouais parce que nous connaissons et nous besoin connaître est-ce que Elinesco c'est un dictateur ou bien est-ce que c'est un démocrate et comment il fait pour qui ça devait faire pour capable qu'il ait le pouvoir. Donc nous avons pour nous ça. Nous avons pour nous tout la politique sociale de l'ESCO, ses grandes réalisations, les causes de la chute du président l'ESCO. Donc, nous voyons que l'ESCO, donc, l'idée quitte le pouvoir, et comment il fait quitter le pouvoir, qui sacrifie l'idée quitte le pouvoir. Troisième chapitre que nous voyons, c'est le gouvernement de Dumassin Estimé, chers amis. Dumassin Estimé, président d'Haïti, 16 août 1946, et l'équité pouvoir le 10 mai 1950. Qui ça, gouvernement ça, l'immunité fait par exemple, et gouvernement et Dumassin Estimé. Qui ça, gouvernement et Dumassin Estimé a fait? Par exemple, nous connaissons, nous allons regarder pour moi, qui avènement qui t'est porté Dumassin Estimé au pouvoir? Qui ça a été bénéficié comme étant il y a un monde qui était là, qui était fait l'arrivée sous pouvoir. Nous allons regarder la politique
d'équilibre destiné par rapport aux bourgeois noirs, bourgeois mulatto. Donc, nous connaissons, lorsque Dumas Estime était arrivé sous pouvoir, il était joué un problème. Mais qu'on y a, comment il était fait équilibre pour être capable de gérer le pouvoir. Nous parlons de toute période de trouble après le départ de Dumas Estime. Chers amis, quatrième chapitre que nous avons pour nous, c'est Paul Eugène Magloire. Paul Eugène Magloire, chers amis, il était pris au pouvoir en 1950, il était quitté en 1956. Paul Eugène Magloire, c'est le premier président d'Haïti qui était élu par suffrage universel. Donc, le gouvernement de Paul Eugène Magloire, nous allons regarder le caractère autoritaire, régime politique ça, par exemple, politique de et Paul Eugène Magloire, nous allons regarder tout. Politique extérieure de ce gouvernement, par exemple, le gouvernement de Paul Eugène Magloire. Nous prenons les grandes réalisations de ce gouvernement et les causes de la chute de Magloire. Qui ça qui t'a fait Magloire qui t'a pouvoir? Qui différents problèmes que Magloire t'a rencontré? Ensuite, on verra, chers amis, les gouvernements provisoires après le départ de Paul Eugène Magloire de 1956 à 1957. Pendant un an, nous allons voir ce qui s'est passé. Nous déjoignons le gouvernement de Nemours Pierre-Louis, le gouvernement de Franck Sylvain, le comité exécutif 13 membres, le gouvernement de Pierre Bussage Daniel Fignolet, le comité militaire dirigé par le général Antonio Kebou. Donc ça, c'est vraiment une période très importante pour nous, élèves NS4, que nous devons voir et nous devons connaître. Maintenant, nous devons voir tout, par exemple, dans chapitre 6 là, qui c'est le régime des Duvaliers en Haïti. Donc, puisque nous connaissons la première élection en 1957, eh bien, Duvalier ou Praline prend pouvoir. Le régime politique du président François Duvalier, Duvalier père, le président Duvalier et les mulattes, les relations du gouvernement. Nous allons regarder la nature du gouvernement, ça tout, parce que tout le monde nous a toujours entendu parler de et Duvalier comme étant un dictateur. Nous allons voir qui raison qui fait et Duvalier être un dictateur. Ensuite, nous allons pour nous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, Duvalier fils, ses réalisations. C'est ça nous pour nous pendant tout programme NS4. Et enfin, chers amis, nous avons pour nous les gouvernements qui ont eu lieu après le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986. De 1986 à 1990, nous avons le Conseil national du gouvernement février 1986 à février 1988. Ensuite, on verra Leslie François Maniga, février et juin 1988. Ensuite, le général Henri Nanfi, juin-septembre 1988. Et le général Prosper Avril-septembre 1988 à mars 1990. Donc, qui prend comme président provisoire État Pascal Touyo, qui prend le banon, Jean-Bertrand Aristide. Donc, c'est là, nous, et cette chapitre-là que nous avons pour programme NS4. Merci parce que vous prenez fait un grand parcours ensemble avec moi. Maintenant, vous toujours été abonné avec la chaîne, like vidéo et partagez. Partagez parce que nous, après chaque chapitre que nous finissons, nous avons traité examen ensemble avec vous. Et nous avons un pile examen NS4. Donc, ça, c'est pour chapitre Histoire nationale. Là. Et dans l'autre vidéo, ensuite, nous allons au programme et culture générale. Là. Donc, c'est Zami Pao. Fabien, merci, Pablier. Et vous êtes capable toujours écrire nous dans les commentaires là pour en bas vidéo là, pour que vous capable de commenter et si vous que nous plus aide plus encadrer dans ça nous pas de problème. OK, donc que bon Dieu bénisse nous et nous mettre garder partager et puis tout faire vivre tout
élève NS4.